Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit test de produits de chez Action et Leclerc. Donc, vous vous rappelez de cette fameuse éponge spéciale plastique, entre autres, donc qui doit vous faire briller vos plastiques. Bon, moi, il y a un peu de poussière, hein, c'est fait exprès. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? J'ai pris l'éponge de Leclerc aussi, faut tester. Hein. Donc, c'est la tech, hein. J'ai pas pris les grosses gammes qui coûtent cher, ça sert à rien. Hein. C'est juste histoire d'avoir un petit peu de bruyance. Et j'ai pris aussi celle-là. Vous vous rappelez des lingettes de chez Action, là? Celle-là. Bah écoutez, on va faire un petit test et puis on verra bien. Allez, à tout de suite. Alors, Action. Elles sont censées. Donc, ça coûtait 0,89. J'ai encore le prix dessus. Donc, voilà. Donc, logiquement, on est censé voir une base de produits. J'ai beau chercher, je ne vois pas de produit. Je vais faire un test donc sur le plastique. Ça dépoussière, mais ça fait pas briller mon plastique. Ah, ouais, j'ai beau presser histoire de faire descendre un peu de produit, mais je ne vois très très peu de produit. Vous voyez, regardez, il y en a un tout petit peu. Ça fait une marque bizarre. J'ai beau éponger au maximum pour faire briller, mais je fais un peu partout, hein, histoire de voir. Mais je ne vois strictement rien. Ouais, non, c'est pas ça qui est ça, Action. Hein. Donc celle-là, je peux dire que c'est un flop total. Hein. C'est pas terrible. N'y a pas de produit qui sort. Ensuite, les fameuses lingettes. On va faire un essai. Hein. À ne pas jeter dans les poubelles hein, et à la mer, vous faites attention. Hein. Vous avez les logos maintenant. Hein. Alors. Ah, ça va, ça brille un petit peu, ça mouillasse un peu. Ouais, ça mouille un peu quand même. Un peu, ah oui, quand même, ça enlève la crasse. Et je travaille dans la ferraille, donc ça aide pas. Bah écoutez, ça a l'air de fonctionner un peu quand même. Les lingettes de chez Action, ça va. Elles font leur taf. Ça brille pas super super fort, mais bon, c'est déjà mieux quoi que l'éponge super magique. Il faut être contorsionniste hein, pour aller au fond aussi, au passage. Ah si, ça enlève quand même un peu. Bon, je suis fumeur, donc ça aide pas non plus. Oui, je sais, et vous allez râler. Mais c'est pas grave. Je fais un peu partout quand même pour voir. Est-ce que la saleté s'en va? Ça a l'air de bien partir. Si, quand même, hein, ça enlève la crasse hein, quand même. Hein. Et ça fait un petit peu briller le plastique. Si, ça va. On va pas se plaindre. Donc, les lingettes de chez Action sont concluantes. Je ne m'en plains pas. Ça fait son job. Ouais, franchement, ça fait son job. Ensuite, je ne l'ai pas déballé encore. Hein. L'autre, j'avais déballé histoire d'avancer un peu le truc. Donc, on va déballer celle de chez Leclerc. L'éponge est plus grande. Je vais vous montrer à côté de l'autre. Elle est plus large, pardon. Déjà, on s'aperçoit comme quoi il y a une double. On voit le produit qui est là, quoi, en fait. Hein. Comparons à celle de chez Action. Voilà, elle est super épaisse, mais bon, je vois pas le produit. Hein. Je vois très très peu de produit. Que là, on voit une double couleur. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si ça marchera à l'écran. Mais en dessous, c'est un peu clair. Et là, juste au-dessus, c'est un peu foncé. Alors, est-ce que le produit n'est pas juste au-dessus? Je n'en sais rien. Hop! On presse un peu. Ah si, il y a du produit. Si, si, il y a du produit, ça se voit. Donc on presse un petit peu. Et si on voit bien le produit. Bon bah écoutez, hein, celle de Leclerc, elle est pas mal. Ouais. Mais bon, n'oubliez pas de presser quand même. Hein, pour faire sortir un peu le produit. Parce qu'après, ça s'en va très vite. Hein. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Je n'en sais rien. Pour le moment, ça a l'air de marcher. Ça dépoussière. Bon, par contre, il ne faut pas presser à fond, parce que sinon, vous allez rayer vos plastiques avec le plastique. Plastique contre plastique, ça n'est pas terrible. Mais si, déjà, c'est déjà un petit peu plus propre et moins de poussière. Ouais, ça va. L'éponge de chez Leclerc. Elle est concluante, elle est bien. Donc c'est la Tech 9, hein, je reprécise.
Les lingettes sont très bien de chez Action. L'éponge de chez Action, nulle. Franchement, très, très, très nulle. À moins de remettre du produit dessus, je sais pas. Donc, c'est à tester. Et, ouais. Non, franchement, je préfère me rabattre là-dessus, en fait, sur les lingettes. Bon, je sais que c'est pas bon pour la planète, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'y peux rien. Hein. S'ils font des produits, c'est pour les tester. Hein. Mais là, pour le moment, moi... Bon, les lingettes, par contre, à mousse, ça vous fait gaffe. Ouais, elle mousse. Mais au moins, ça enlève la crasse. Ouais, non, c'est quand même plus propre. Ça se voit. C'est concluant. Les lingettes de chez Action, elles marchent très bien. Ça enlève la saleté et ça fait briller un petit peu le plastique. Voilà, donc je peux vous conseiller quand même les lingettes de chez Action. Bon, faut être contorsionniste hein, pour aller au fond. Ça conviendrait. Ouais, c'est les endroits où on n'arrive pas à aller au fond. Hein. Donc, voilà. Mais sinon, ça marche bien. On s'en plaint pas. Donc voilà. Donc, que dire? Éponge de chez Action, nulle. Franchement, elle est pas chère, mais franchement, nulle. Elle marche pas bien. Celle de Leclerc, la Tech 9, comme je vous disais, très bien. Elle marche bien. Il faut bien presser. Bon, je sais pas au bout de combien de temps elle sera sèche. Parce que si vous laissez ça trop longtemps dans une voiture, à mon avis, ça va vite sécher. Mais sinon, la Tech 9, très bien. Elle marche bien. Et les lingettes d'Action, bah, ça dépoussière bien. Vous avez vu, hein. Encore du produit encore dessus. Ça marche bien. Puis dans les ailettes, bah, vous prévoyez dans les aérations, soit un petit coup de lingette ou soit un coup de pinceau, comme vous voulez. Et ça, c'est concluant. Donc, lingette, très bien. Mais pas bien pour la planète. Donc voilà, bon, je finis ma voiture, puis je vous reprends un petit peu plus tard. Allez, au revoir. Alors, j'ai fait une bonne partie avec donc la lingette et puis l'éponge Leclerc et celle d'Action. Donc, celle d'Action, comme je vous ai dit, vous pouvez la mettre à la poubelle. Elle sert à rien. Il n'y a pas de produit dessus. Celle de Leclerc en Tech 9, bah, elle est pas mal. Hein. Alors, vous n'avez qu'à voir, c'est quand même plus propre. Et ce qui marche bien, en fait, c'est les lingettes de chez Action. Franchement, plastique très propre. On va se plaindre. Donc voilà. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine les amis. Salut.